Mesdames et messieurs, je vous demande à présent d'accueillir votre nouvel entraîneur. Il faudra peut-être un peu de temps pour mesurer son apport, mais aujourd'hui, c'est un moment important. C'est son premier match sur ce banc. On reste ensemble. Le coup d'envoi, c'est pour très bientôt. Salut à tous. La pluie, vous le voyez, qui a fait son apparition dans le panorama. Évidemment, ça peut avoir une influence sur la qualité du jeu avec le ballon qui fuse. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca, la team Dada au grand complet pour vous commenter ce match. Et c'est l'occasion de voir ce premier duel dans cette Coupe Européenne Internationale. Et on sent l'ambiance monter peu à peu dans le stade. Une très belle fête se prépare. On peut croire qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt au tournoi de pré-saison. Mais c'est une très bonne chose pour tester votre effectif, mettre en place le collectif et évaluer les qualités individuelles. Ça démarre fort avec cette énorme occasion pour commencer. Même si c'est manqué, ça promet vraiment.
Interception en pleine surface de réparation. L'événement, ce sont bien sûr les grands débuts de leur nouveau coach sur le banc. On en parle depuis plusieurs semaines. Les objectifs de cette saison sont très élevés. Oui, c'est clair que pour le supporter, autre chose que le titre des champions serait une déception. Alors plutôt que de parler d'obsession, il veut mieux parler des rêves. Ah, il y a un peu d'espace sur le côté. Ah, dommage, c'est contré le centre. Mauvaise passe et donc le ballon change de camp. Le ballon pour Ronaldo. Et bien fait, quelle ouverture! Ce ballon peut faire mal. Oui, il s'interpose là le gardien. Ballon dévié et l'arbitre indique le corner. C'est bien parti pour ce corner. Gros pressing et ballon récupéré très haut. Oh, le poteau! Une parenthèse pour parler de Cristiano Ronaldo, immense joueur et immense carrière. On le sait, son dernier geste toujours très naturel. Il y a toujours cette simplicité au moment de rentrer dans la surface. J'admire ses qualités de finition, toujours bien placé, toujours sur la trajectoire du ballon. Ah, le centre ne passe pas, c'est bien défendu. Le ballon en touche. Ah, c'est un centre sans danger, bien maîtrisé par l'arrière-garde. Oui, bonne intervention. Le ballon sort en touche. Et c'est bien défendu, le ballon est récupéré et l'arbitre indique les 6 mètres. Gay, magnifique, quelle passe! Et le gardien avait bien anticipé ce ballon en profondeur. Ah, le contact sans faute. Et le centre dans la boîte. Oula, le ballon est rendu directement à l'adversaire. Et un corner pour éventuellement prendre l'avantage dans ce match. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Attention, c'est pas terminé. Ouais, ballon pour une frappe. Oui, joli réflexe.
Le corner bien tiré. Un gros travail de la défense et du coup la tête est sans danger. Ballon perdu, c'est rendu même. On voit bien avec ces stats que ce n'est pas parce que tu as le ballon que tu es dangereux. Ce qui compte, c'est l'intention et le déplacement. Et pour l'instant, aucune des deux équipes n'a l'intention de déséquilibrer son rival. Contrée sans souci. Tentative renvoyée par la barre, c'est pas fini. Ah non, ça s'arrête là. La balle était complice de Montor. C'était l'occasion de s'imposer, de prendre les devants. Ah non, ça va pas du tout cette passe. Bien donné en profondeur. Énorme parade du gardien, incroyable. Oui, en plus si près de la cage, c'est un facilitateur des rêves. Un corner qui est bien ajusté. Ouh, c'est contré, in extremis. Réussi sur ce ballon. Non, ce corner ne donne rien. Renvoyé par la défense. Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est la mi-temps. Un mot sur Cristiano Ronaldo. Sa prestation est quand même moyenne pour l'instant. Et oui, réussir, ce n'est pas évident. Aucun but, presque aucune occasion. Mais tenter de provoquer, avoir l'ambition de risquer, de créer, c'est une obligation. Voilà, c'est parti, le coup d'envoi. Ça démarre fort avec cette énorme occasion pour commencer. Même si c'est manqué, ça promet vraiment. Eh bien fait, quelle ouverture! Oui, ça s'impose là, le gardien! Ballon dévié et l'arbitre indique le corner. Ballon pour une frappe. Oui, joli réflexe. Gros travail de la défense et du coup la tête est sans danger. Et bien donné en profondeur. Énorme parade du gardien, incroyable! Oui, en plus, si près de la cage, c'est un facilitateur de... Ouh, c'est contré, in extremis. Le début de cette seconde période avec ce match très équilibré entre les deux formations. Il faut maintenant voir si l'une des deux équipes va parvenir à prendre le dessus. Avec un peu d'espace sur son aile. Et ça joue avec Cristiano Ronaldo. Et une frappe peut-être pour prendre les devants. Et l'option de la contre-attaque est possible. Ah, il faut redescendre, là il faut s'activer. Ah, ça fait des semaines qu'on entend parler de lui au rayon des transferts. C'est maintenant fait, le transfert est confirmé.
C'est une très bonne négociation parce qu'à ce prix-là, c'est une superbe affaire. Elle est merveilleuse cette passe. Mais non, ça ne passe pas. C'est un ballon bien repris. Et ballon dans la profondeur. Dans les bras du gardien, sans problème. Cristiano Ronaldo. Ouais, la vista avec cette passe. Ah, il faut lui proposer des solutions. Voilà, la défense maintenant va pouvoir respirer un peu. Ah, une bonne contre-attaque peut-être. Ah, la contre-attaque fait mal à la défense. Intervention sans difficulté sur ce ballon. Kevin Endoram. Endoram. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. Attention pour mener au score peut-être. Quelle intervention, elle est hyper importante. Allez, sur le côté pour ramener le danger. Ça part dans la surface, peut-être vers un partenaire. Sans problème, dans les bras du gardien. Et voilà un ballon qui est intercepté. Les 20 dernières minutes de la rencontre. À la récupération du ballon, c'est bien fait. Cristiano Ronaldo. Il faut maintenant réussir à créer le danger sur cette possession. En excellente position. Arrêt exceptionnel, le ballon écarté juste devant le but. C'est une parade des classes internationales. Voilà, le double changement intervient. C'est un corner bien joué, bien frappé. Et attention à ce centre. Le geste est raté, l'action n'est donc pas terminée. Et le danger est éloigné. Aïe, la petite faute technique et le ballon sort. Bakar Kouyaté. Ballon en direction de Kevin Endoram. Tout le monde évidemment part à l'offensive pour tenter de marquer ce but qui serait une délivrance. Dépossédé du ballon. Oui, c'est bien fait, c'est bien joué. Ah, le ballon est intercepté in extremis, magnifique. C'est bien lui, sa bonne interception.
Et ça joue avec Cristiano Ronaldo. Brillante intervention dans la surface sans commettre de faute. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. À l'occasion peut-être ici. Ah, le gardien évite le but, mais ce n'est pas fini. Un bon arrêt, encore un, pour conserver ce clean sheet. Les deux gardiens qui sont jusqu'ici irréprochables dans ce match. Je me demande si on va avoir un but aujourd'hui. Et ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur. Endoram. La passe en profondeur. C'est qui prend sa chance là. Oh non, quel loupé. Il y avait tout pour ouvrir le score. Enfin, sur cette action. Comment ça vous arrive à vous? C'est pas toujours évident de conclure. Et voilà la fin de cette rencontre, donc sur ce score de 0-0. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous n'êtes pas trop ennuyé là durant cette rencontre? Mais le football, ce n'est pas du basket, du volley. Il faut prendre son temps pour construire, élaborer, imaginer une action. Moi, c'est un 0-0 que je trouvais plutôt intéressant. Cristiano Ronaldo, on le voit, c'est rare, mais ça arrive. Il a eu du mal à peser sur le match. Si tu n'arrives pas à déstabiliser, déséquilibrer ton adversaire, c'est que tu es un peu trop blandite. Quand tu es attaquant, il faut peser sur la défense adverse. C'est le premier ballon dans ce match. Ça démarre fort avec cette énorme occasion pour commencer. Même si c'est manqué, ça promet vraiment. Et bien fait, quelle ouverture! Oui, ça s'interpose là le gardien! Ballon dévié et l'arbitre indique le corner. Et ballon pour une frappe. Oui, joli réflexe. De la défense et du coup la tête est sans danger. Et bien donné en profondeur. Énorme parade du gardien, incroyable. Oui, en plus si près de la cage, c'est un facilitateur. Ouh, c'est contré, in extremis. En excellente position. Exceptionnel, le ballon écarté juste devant le but. C'est une parade des classes internationales. Ah, le gardien évite le but, mais ce n'est pas fini. Un bon arrêt, encore un, pour conserver ce clean sheet. Les deux gardiens qui sont jusqu'ici irréprochables dans ce match. Je me demande si on va avoir un but aujourd'hui. Oh non, quel loupé. Il y avait tout pour ouvrir le score. Enfin, sur cette action. Comment ça vous arrive à vous?
a dama da zona rabuda que manda no requebrar. A crioula que goia te ama, te beija, faz viajar. Sou eu, sou eu. Bonjour à tous, les conditions de jeu idéales sur la pelouse et même en dehors, donc pour assister à un magnifique spectacle dans quelques secondes. C'est le coup d'envoi. Au micro, bien sûr, il y a l'Argentin Omar Da Fonseca et moi-même Benjamin Da Silva. Et le tournoi d'avant-saison qui continue avec cette deuxième rencontre de poule, Vitória Guimarães contre le FC Metz. Oui, deuxième match de phase de groupe dans cette compétition de préparation. C'est l'occasion de faire de nouveaux essais en vue de la saison à venir. Ça va être très intéressant. Ça sort en touche. Ce ballon qui leur échappe. Ah, il y a sans doute un bon coup à jouer là sur cette attaque. Ah, et le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Diallo. Le ballon pour Ronaldo. Ballon en direction de Kevin Endoram. Ah, il n'arrive pas à conserver ce ballon. Aïe, la passe est manquée. Kevin Endoram. Attaque le maîtrisée pour récupérer le ballon. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. Et ce ballon enveloppé passe finalement loin de la cage adverse. Oui, on l'a vu essayer de positionner son corps pour bien ajuster sa frappe, insuffisamment en tout cas pour pouvoir cadrer. Et c'est une passe directement dans les pieds de l'adversaire. Grosse occasion là. Le ballon n'est pas maîtrisé, attention. Et la défense s'en sort. Bien défendu. Et sur ce tir, le gardien se contente d'accompagner du regard le ballon en sort. C'est pas loin, mais c'est dehors. Udol. Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Une bonne course dans le couloir pour venir provoquer balle au pied. Le ballon change de camp. Cristiano Ronaldo qui progresse. Ici l'occasion pour mener. Il la sort. Quel arrêt vient de réaliser. Alors là, à cette distance, c'est vraiment une parade exceptionnelle.
Le corner bien tiré. La belle reprise de volée, ça frôle le montant. Dans l'ensemble, le geste était plutôt bien réalisé. Dommage. Il a des options qui s'offrent à lui. Ah, l'action était bien partie et finalement c'est perdu. Et cette frappe finit très loin du but adverse. Elle n'inquiète personne à part peut-être son banc de touche. Il faut continuer à travailler devant le but pour corriger ses trajectoires. Couillaté. Et cette passe n'est pas bonne du tout. Très bon timing sur cette interception. Super progression dans la moitié adverse. Et c'est bien donné dans la profondeur. Allez, il faut essayer de faire bouger ce bloc. Ouais, une bonne intervention pour empêcher le centre. Gay. Ronaldo, et c'est au fond le premier but de ce match, Cristiano Ronaldo. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Eh oui, le duel est remporté. Touche. Endoram. Le ballon pour Rudol. Ah, la bonne frappe. Et ça va terminer sa course dans les dents du gardien. Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est la mi-temps. Mais c'est R7 qui est bien présent, bien là. On le sent concerné, motivé et investi. Et voilà, c'est bien. Son but donne l'avantage à son équipe, une belle récompense après son excellente première période. Et l'arbitre siffle le coup d'envoi de cette rencontre. Et sur ce tir, le gardien se contente d'accompagner du regard le ballon en sortie. C'est pas loin, mais c'est dehors. Il la sort. Quel arrêt il vient de réaliser. Alors là, à cette distance, c'est vraiment une parade. La belle reprise de volée, ça frôle le montant. Dans l'ensemble, le geste était plutôt bien réalisé. Dommage.
Gay. Ronaldo. Et c'est au fond le premier but de ce match, Cristiano Ronaldo. Ça y est, l'arbitre fait signe aux joueurs, le coup d'envoi de la seconde période. La bonne lecture pour stopper cette offensive. La place pour tenter sa chance. Et l'avantage se creuse avec ce deuxième but pour alourdir la note. Regardez, tout va très vite dans cette contre-attaque. La récupération, la passe en profondeur, c'est parfaitement bien mené. Regardez, la pression défensive s'accentue. Et pourtant, il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. On sent le coach très satisfait par ce qu'il voit et on le comprend. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. L'occasion de faire parler sa frappe. Quel tir puissant, mais le but n'est pas au rendez-vous. Sacré gâchis, hein, parce que manquer la cible à si près du but, c'est peut-être plus difficile encore. Ah ça y est, depuis le temps qu'on en parlait de son transfert, c'est chose faite désormais. Effectivement, c'est un dossier que tout le monde suivait de près. On parle d'une pépite du football mondial. Mauvaise passe et le ballon est rendu trop facilement. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Ouais, c'est bien fait, il fallait intervenir. C'est renvoyé par la défense. Le ballon est perdu avec cette mauvaise passe. Et le tir part bien. Oui, le réflexe là avec ce ballon. Ça sort en touche. Et le staff décide donc de faire un changement. Quel bon sens! Toujours dangereux dans la surface. Et non, au final, il n'y a pas de danger. Diallo. Un ballon intercepté, bonne intervention. Et ça joue avec Cristiano Ronaldo. Face à face avec le gardien. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Arrivé là, on se dit que le tir est impossible. Et puis non, il arrive à se déjouer de la pression et à conclure parfaitement.
Le score s'aggrave un peu plus, 3-0 donc. Bonne progression dans le camp adverse. Bonne intervention pour stopper l'attaque. L'arbitre siffle la faute. Ça donne donc un coup franc. Et ça joue avec Cristiano Ronaldo. La frappe pour le but peut-être. Ouais, c'est bien fait pour éloigner le danger. Oh là là, et ce ballon passe largement à côté du but. Quand on parle de frappe de balle, il faut avoir l'intention de marquer. Pas seulement de frapper au but pour faire plaisir au coach. Et un changement donc. Ah, il n'arrive pas à conserver ce ballon. Ah, bien placé pour une frappe peut-être. Bonne intervention du gardien. Un corner qui est bien ajusté. Et le corner ne donne rien. Le ballon est renvoyé par la défense. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Allez, c'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Gay. Ça joue avec Cristiano Ronaldo. Avec un peu d'espace sur son aile. Le deuxième poteau pour ce centre. Non, le geste défensif est manqué. Le danger reste présent. Et oui, c'est dedans. Et c'est son troisième but dans ce match. Quelle performance, quel exploit. Mais non, dans l'autre sens. Le ballon était dans les pieds. L'intervention défensive est ratée et ça donne une occasion énorme pour l'adversaire. Moi, je suis le coach. Je vois ça. Je démissionne. Il n'a rien d'autre à faire. On sent le coach très satisfait par ce qu'il voit et on le comprend. Et avec ce nouveau but, la domination se confirme. Plus le temps passe, plus le match est facile. Ah non, c'est rendu directement. Ah oui, excellent ballon. La passe est faite trop tard, le drapeau se lève pour une position de hors-jeu. L'attaque se poursuit, balle au pied. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Habib Maïga. Gay. C'est un ballon qui est récupéré. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Ah, il faut bien négocier ce ballon.
Ballon intercepté. Finalement, le centre ne donne rien. Et voilà, c'est un changement donc. Le ballon pour Ronaldo. Oui, c'est contré. Bonne défense. Et la récupération du ballon. Le ballon pour Ronaldo. Et hors jeu de pas grand chose. Ça y est, de cette rencontre et une belle opération évidemment avec cette victoire à l'extérieur. Une performance vraiment intéressante, convaincante. J'ai pris beaucoup de plaisir à les voir évoluer tout au long du match. Évidemment, on va parler encore du très grand match de Cristiano Ronaldo. CR7 a été XXL. Le pied chaud, l'esprit est en effervescence, le public est en extase, triplé, toutes les lumières s'allument autour de soi. Et c'est parti dans ce match. Et sur ce tir, le gardien se contente d'accompagner du regard le ballon en sortie. C'est pas loin, mais c'est dehors. Il la sort ! Quel arrêt il vient de réaliser ! Alors là, à cette distance, c'est vraiment une parade. La belle reprise de volée, ça frôle le montant. Dans l'ensemble, le geste était plutôt bien réalisé. Dommage. Gueye. Ronaldo. Et c'est au fond, le premier but de ce match, Cristiano Ronaldo. Et l'avantage se creuse avec ce deuxième but pour alourdir la note. Quel tir puissant, mais le but n'est pas au rendez-vous. Sacré gâchis, hein, parce que manquer la cible à si près du but. Et ça joue avec Cristiano Ronaldo. Ce ballon passe largement à côté du but. Quand on parle de frappe de balle, il faut avoir la tête. Bonne intervention du gardien. Bon, le geste défensif est manqué, le danger reste présent. Et oui, c'est dedans. Et c'est son troisième but dans ce match. Quelle performance!